Ok, salut à tous, c'est Aspé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième épisode de notre série sur Mario et Luigi épopée fraternelle. Du coup, on a forcément laissé juste ici. Alors bon, en soi, c'était pas vraiment laissé ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, aussi, petite nouveauté avant de commencer l'épisode, je pense que vous l'avez déjà remarqué, hein, il n'y a plus d'overlay pour une simple et bonne raison, c'est simplement parce que il était un petit peu mal fait, pas dans le sens où il était mal fait visuellement, mais en fait, la façon dont c'était placé, les écrans, en fait, c'était un petit peu spécial. Ma webcam était beaucoup trop grande par rapport à l'écran total, et l'écran du jeu était un petit peu trop petit. D'ailleurs, quelqu'un m'avait fait remarquer dans les commentaires. Alors, de base, son commentaire était un petit peu voilà, un peu maladroit, un peu mal écrit, un peu irrespectueux, mais au final il l'a modifié, c'est tout à son honneur, c'était plutôt intelligent de sa part. Donc pour le coup d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas, c'est juste voilà, c'est un petit peu maladroit de ta part, mais ne t'en fais pas. Et du coup pour le coup, sa remarque était pertinente, c'est que mon overlay est un petit peu mal fait, dans le sens où voilà, l'écran est trop petit. Du coup, j'ai changé un petit peu tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, je peux pas faire de miracle. Hein. Là, ma webcam, j'essaie de la réduire le plus possible. Mais le but, c'est pas non plus d'avoir une webcam où je suis en tout petit. Donc là, je pense que c'est plutôt pas mal. D'accord, en haut à gauche, donc ça cache pas trop l'écran. Vous avez l'écran en total, donc ce qui fait que vraiment, vous perdez pas une miette du let's play. Donc c'est plutôt cool, je pense. Désolé pour ceux qui aiment bien le petit overlay. Vous devrez faire sens. Et pour le coup, ça va plus vous aider qu'autre chose parce que bah, le but, c'est le jeu, c'est pas l'overlay. Donc au moins, voilà, je pense que ça devrait être mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc si c'est bien comme ça ou si vous voulez que je change encore des choses, hein. Évidemment, c'est vous qui me dites. Hein. Moi, le let's play, je le fais pas pour. Une putain de notification, je fais pas le let's play pour moi, hein, d'accord, je le fais pour vous, donc voilà. Alors oui, du coup malheureusement, vu que j'ai dû changer le verre, il y a des trucs que j'ai pas enlevé, par exemple les notifications PC, donc j'en suis désolé. Comment on fait là ici? Est-ce qu'on peut monter là? Non, on peut pas monter là. À droite ça sert à rien, du coup ouais, c'est pour aller à gauche et récupérer l'espèce de statue, je pense. Donc Luigi, s'il te plaît, si tu pouvais te bouger, te mettre ici, voilà, parfait, hop. Ok, et il faut faire quoi avec ça là? Oh merde! Faut faire quoi avec ça? Parce que je sais pas. Est-ce qu'on peut le poser? Je sais pas. Logique aussi, t'as une idée. J'aurais peut-être dû demander au PNJ. Oh, Mario qui tombe avec une statue comme ça, mais aucun. Genre, il a vraiment aucun souci. Du coup, je sais pas où faut la mettre. Je sais pas du tout. Ici, ça m'étonne, c'est pas là quand même, si. Non, c'est pas là. Est-ce qu'il faudrait pas... Oh, je crois que je sais, non? Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas la passer à Luigi? Non? Non, ok, non. Je pensais qu'il fallait la passer à Luigi, qu'il la foute au-dessus et tout. Je sais pas, attendez. Il peut la jeter, non? Ouais. Oh, merde. Écoute, Luigi, désolé. C'est pas ce que je voulais. Je sais pas où faut la déposer. Hein. Je sais pas. Bon, écoute, on va faire un truc, on va la poser ici en attendant. Luigi, s'il te plaît, tu peux là. Voilà. On va affronter l'ennemi que j'avais très peur d'affronter l'autre fois parce que mon émulateur buggait. D'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit, mais j'ai également modifié l'émulateur. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit un petit peu plus stable parce que il était vraiment ultra instable. Donc là, normalement, c'est bon. Et j'ai également débloqué les FPS. Alors, c'est pas du 60, mais comme vous allez le constater, c'est peut-être un petit peu plus fluide que ça l'était aux deux premiers épisodes parce que du coup, j'ai débloqué les FPS. Donc ce qui fait que. Ça va pas bloquer. Et là pour le coup, ouais, je sens que c'est un peu plus fluide. C'est pas du 60, mais ça va. Franchement, c'est quand même un peu mieux. Je vais taper celui-là, je pense. Hop. Et bang. Ça j'adore. Par contre, pour le coup, ça c'est vraiment une super idée. Le fait que les attaques soient en duo, même en solo. Même si, comme j'ai dit, on peut facilement se tromper. Voilà, bah, genre comme ça, par exemple. Hein. Mais bon, au moins c'est battu. Et du coup, niveau super, pour Mario parfait, niveau 3. C'est cool. Est-ce qu'on aura enfin de l'acquitude du coup? Parce que... Enfin, je sais pas. Non. Bon, peut-être que l'acquitude se déverrouille plus tard, hein, je ne sais pas. Alors oui, du coup, maintenant, vous ne voyez pas qui est en haut à gauche, mais ne vous en faites pas, si c'est un truc vraiment ultra important, je vous le dirai. Du coup, maintenant, je ne sais pas du tout où il faut se rendre. Est-ce qu'il faut changer le sens de ça, là? Je pense qu'il faut changer le sens de ça. Oh, je crois que j'ai compris. En gros, il faut faire aller Mario ici. Non, attendez, est-ce qu'il faut pas faire aller Mario ici? Luigi, on lui passe la statue, il la jette dans le truc. Non mais non, il peut pas, je pense. Ah non, il va me suivre, ce con. Il va me suivre, le con. Je sais pas à quoi sert cette statue, hein. Vraiment, je vous le dis. En bas à gauche, on peut pas y aller, non. Pour l'espèce de bourgeon. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Les deux pierres, une, on va sauter. La bascule en portant une. Ah, ça, boing, si tu veux. Du coup, attendez. Est-ce que s'il peut me la repasser? Impossible de faire ça ici. Luigi, s'il te plaît. Et je sais pas. J'ai compris. J'ai compris. Normalement, c'est comme ça. On est d'accord. Hein. On n'osait même pas me dire que c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Du coup, là, je fais ça.
Ouais, j'ai bugué aussi. Il est parti au Luigi. Oh. Oh, je me demandais où était passé ma statue. Ah, moi je me demande où est passé Luigi. Putain, c'est. Merde. Oh. Bon, bah écoutez. Où est-ce qu'il est parti ce con? Il va retomber, c'est Mario. Non, ok, j'ai cru qu'il allait retomber, que c'est Mario qui allait. Ah, ça aurait été fou. Bon, ça va, je suis un peu stupide, mais j'ai fini par comprendre. Ça va, c'est bon, je devrais être un petit peu con dans la journée. Hein. Ça va. Oh, attends. Ah, j'aurais trop aimé qu'il tombe sur la plateforme et que c'est, et que c'est Mario qui s'envole, mais bon, après. Ils nous ont fait une vanne, ils vont pas nous en faire une deuxième, je pense. Du coup, on va poser ça ici. Et normalement, ça devrait être bon. Tac. Impeccable. Alors du coup, parfois, j'aime bien dans mon ancien aspect faire des petits speed-up, mais là, je peux pas, donc... malheureusement, si les scènes sont un peu longues, voilà, où ils nous montrent le chemin à aller voir, voilà, je peux pas trop... pas trop skip. D'accord, il y a quoi comme problème? Oh, vous avez remis les enfants à leur place. Merci, le chemin jusqu'au site sacré du socle Gorolia est ouvert. Oh! Qu'est-ce que ça va être, ce bardal? Ouah, cette falaise est vraiment escarpée, je n'arriverai pas là-haut, moi, enfin, pas tout seul. Évidemment. Nya, encore les putains de ennemis ronds à la con, là. On va leur mettre une petite rousse, je pense, ça nous fera de l'XP. Ouais, ok. Ah, ouais, bah, putain, il y en a 4, c'est toujours plus, hein. T'as du speed un petit peu, c'est un peu long. Et c'est parti, on va se taper 4 en même temps. C'est tombé, quoi. Là, c'est le moment où il nous aurait bien régalé avec une petite attaque frère, mais bon, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Et bang 17, c'est pas mal. Luigi, tu vas attaquer celui-ci. Et tac. Oh putain, le petit chance qui fait plaisir. Parfait, tu dégages. Toi, tu vas vers Luigi. Bon, c'est bon, cette fois-ci j'ai enfin pris en main leurs attaques, parce qu'à chaque fois j'ai peur qu'ils vont super vite, mais ils vont toujours très lentement, donc en vrai ça va, franchement on peut gérer. Et vers Mario. Ah dommage, bon j'ai un petit peu eu du mal, comme je vous ai dit, avec la profondeur parfois j'ai un peu de difficulté, c'est pas grave non plus. J'ai pas pris de dégâts, c'est ce qui compte. Impeccable. Et il ne manque plus que deux derniers, bon ouais, c'est vraiment des combats assez simples. Ok, heureux, désolé encore une fois, mon logiciel a crashé, franchement j'ai du mal, hein. Pour le coup ça c'est à cause du fait que je ne joue pas sur le support officiel, évidemment vous vous en doutez, mais je vois que c'est bien chiant quand même, hein, parce que du coup ouais, ça veut dire qu'à chaque combat il y a potentiellement une chance que je crache, et ça fait chier, parce que j'ai encore baissé la qualité, là pour le coup j'ai vraiment mis en x1, parce que j'avais mis en x1,5, là j'ai mis en x1, c'est trop chiant, surtout qu'en plus on est en plein écran, donc là pour le coup vous allez le sentir passer, hein, si je baisse la qualité, donc on va éviter, d'accord, mais ouais, c'est un peu chiant pour le coup, hein. je peux rien y faire, hein. Je suis désolé, c'est vraiment, je vais pas vous dire quoi, mais vous avez compris, quoi, c'est compliqué. C'est compliqué, j'espère que ça va pas recrash, hein, parce que sinon, je vais être un peu mal barré. Parce que je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait, hein. Déjà que ma config devrait permettre largement, limite, de jouer en 8K, là, avec ce jeu, mais non, ça veut pas. Donc, pour le coup, c'est pas foncièrement de la faute, c'est obligé. C'est pas foncièrement de la faute de mon PC. Sa faute du truc en question qui ne marche pas très bien, mais c'est normal, donc on fait avec, hein. Il faut une clé, du coup petite claque là, elle est où? Ouais, elle est juste là, on n'a pas eu à chercher une dingue. Oui, on se fait un peu dessin animé, je pas au mytho. Ah, ok, bon je croyais qu'à droite il y avait le truc en plus peut-être. On va skip un petit peu. Non merde, je voulais juste accélérer. J'ai failli skip la cinématique comme un con. Putain, la musique, ça m'a rappelé Doki Doki Literature Club. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça lag tellement, c'est trop chiant. Pour le coup, j'ai fait des réglages, hein, je vous jure, mais non, c'est. Ah, c'est vraiment très très moche. Hein. Ouais, je vais faire CTRL U. Est-ce que c'est Hermus? Non, même pas. Hein. Je sais pas, CTRL U c'est pour délock l'FPS. Mais je sais pas. Ok, bon, du coup, maintenant on comprend bien pourquoi c'était. C'était sur Alveo. Ok, du coup, c'est bon. On va partir à droite pour voir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un petit bloc. Ouais, il y en a deux. C'est tant mieux. 128 pièces, plutôt sympa. Du coup, on va aller juste ici. D'accord, je sais pas combien de temps d'épisode on est. On doit être à peut-être 10 minutes, je pense. Donc. Ouais, c'est que j'aime pas en fait faire des épisodes quand je sais que mon jeu peut potentiellement crash. Alors, là je sens qu'il va crash encore, hein, ce bâtard. Ah là voilà.
La prise d'Harmonéon. D'accord, et c'est pour faire quoi? Ah, du coup, bah, la fameuse image de l'ancien, du coup, hein, le regretté overlay, du coup, l'image de la miniature. Donc, miniature en fond, en flouté. Vous vous rappelez de ce qu'a dit Harmonéon sur l'Unissa? On va faire oui, hein. Calme-moi, enfin, tant mieux, ça n'est pas grave de répéter. C'est Prise qui distribue Harmonéon partout. Ouais, je m'en rappelais grave. Les Prises connectent l'Unissa à tous les autres endroits de ce monde. Let's go. Pourquoi on doit brancher cette prise au Navisme et restaurer le flux d'Harmonéon? Là, vous n'avez toujours pas trouvé de nom. Et aussi, je suis trop con, je l'ai même pas dit. Merci beaucoup pour le premier épisode, ça fait plus de 170 vues. Franchement, merci, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, bah, je vous remercie d'avoir donné ma chance. Comme il y a beaucoup de gens qui ont fait l'esprit là-dessus. Donc, merci quand même d'avoir regardé. Et puis, j'espère au moins, bon, évidemment, pas autant, mais j'espère au moins que chaque épisode fera peut-être 30-40 vues. Ça m'irait très bien. Le deuxième m'a fait 45 vues, donc ça me va très bien. Vous devez faire venir l'Harmonéon de l'arbre du Navisme jusqu'à Gourulia. Ça marche. Remets-vous la couenne dans Yuluji, branchez-moi cette prise. Je vais péter une pile. Putain, il fallait juste faire ça, mais vous pouvez pas le faire pendant la cinématique, sans déconner. Promis, prochain épisode, j'arrive tout ça. Hein. Je vous garantis. Ah ouais, il va. Oui, mais là, c'est... Ouais, là, c'est mort, là. Ouah, c'est tombé, quoi. Je sais pas si je vais tenir comme ça tout l'épisode, hein, je vous le dis. Oh putain, plein dans le mien. I. Oh, c'est en train de tout gâcher, ça me rend ouf. Ah, carrément. Tu l'es. Est-ce que ça va réouvrir les trucs, là, du coup? Ouais. Non, ok, c'est pour ça. Attends, ils sont chiants, j'aime bien quand on pouvait accélérer. Ouais, du coup, ça re... Ça refleurit tout le bordel. Ce sera bien utile pour passer à des nouvelles zones, donc c'est cool. Ah, les trucs qui se cachent dans... les fleurs. Bon, c'est des fleurs de pierre, hein. On en est là. Putain, ça me fait trop penser aux rampes dans Sonic. Quand il doit ride dessus et tout, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Ok, impeccable. Bon, du coup, malheureusement... voilà, Gourulia première élite, parfait. Vous avez raccordé Gourulia, let's go! Mais ouais, je vais pas tenir tout l'épisode comme ça. Hein. Je pense que ouais, je vais encore refaire un cut et je vais... Je vais talaficoter un peu le bordel parce que c'est trop chiant. Il a pris un petit drap de puissance là. Ce nom Navisme. Qu'est-ce que c'est en français? Pardon, en anglais, je sais pas ce que c'est, donc il faudrait peut-être que vous me le dites. Ou alors je regardais moi-même, c'est vrai que je suis un flemmard, hein, j'aurais pu le voir moi-même. Incroyable, alors c'est comme ça qu'on raccorde une là. Bon voilà. Je vois que vous avez raccordé Gourulia au Navisme. Beau travail, merci Bing. Ça alors vous avez raccordé qui l'a cru. Enfin, qui l'aurait cru. Son nom est totalement différent de Gourulia. Déjà, il y a un arbre immense. Ça fait du bien de changer d'air, évidemment. C'est vrai que, oui, bon. Gourulia, c'est vraiment le truc des pierres, quoi. Est-ce que vient de Gourulia? Est-ce qu'il fabrique. Qu'est-ce qu'il fabrique avec ce tuyau? Bon, moi, je sais déjà ce qu'il fabrique. Hein. Peut-être qu'il utilise pour voyager d'une île à une autre. Incroyable, évidemment. Les facilités scénaristiques. Vous avez trouvé une île dérivante et réussi à la raccorder au Navisme. Maintenant, il reste plus qu'à faire pareil avec les autres. Bah, ça dépend combien on a, hein. Débarquer sur les îles, foncer vers les phares locaux et débrancher les prises d'Harmonéon. Éventuellement, régler les soucis sur les îles en question, mais vous êtes doué pour ça. Évidemment, pour régler les problèmes de tout le monde. Si vous arrivez à relier toutes les îles entre elles, le monde retrouvera son unité. Oh oh. Hisser les couennes, partons à la recherche de traits d'Irionte. Putain, j'arrive pas à parler, je suis en mode brel. On devrait faire un tour en Gourulia pour voir ce que les gens là-bas en pensent. Bah, surtout pour voir les nouveaux trucs qu'on a déverrouillés. C'est surtout le truc en question. Accordement, bidule, voilà. Bon, évidemment, on va pas y aller tout de suite parce que bah, vous savez très bien ce que je veux faire. Donc, petit cut, je vais vraiment régler ce problème une fois pour toutes. Je vais faire plein de tests et une fois que ce sera bon, je vous reprends. Alors, attendez, il y a un nouveau dialogue, du coup, bah ouais, je vais vous le dire. Est-ce que c'est. Alors, ouais, ça l'a comme de la merde. Hein. Toi, tu peux regarder ça, oui, c'est le fameux truc qui était tombé là-bas, je crois. C'est un Farfadet, j'avais pas vu, ok. La grande créature se nourrit d'Harmonéon. D'accord, c'est cool. T'as dit ce problème de lumière, l'énergie stockée, on devrait en rattraper un vaguier, ouais, ça va nous servir, d'accord, si tu veux. Faut quand même savoir que les Farfadet sont assez rapides. Oh putain. Ouais, mais recours au génie de Luigi. Putain, le génie de Luigi, ça vraiment, c'est la blague qui. Et que je préfère de tout le let's play. Si vous voulez trouver Farfadet, raccordé, Farfadet sont certainement apparus au moment de raccordement. Farfadet, avec Luigi, lumière, ouais, bon. Farfadet, vous avez collecté, avoir encore de réserve allié, ça marche! On a compris, récupérer Farfadet, voilà, on a compris. C'est moi ce que je veux, c'est vraiment juste pouvoir changer un peu tout le bordel là avec les. Ouais, j'en étais sûr que ça allait laguer. Ouais, du coup, c'est les fameuses espèces de frisbee là, la con. Ah.
Bon bah Luigi il servit à rien, c'est plutôt sympa. Bon du coup je fais un petit cut hein, n'est-ce pas? On va faire un petit cut et puis bah voilà on se retrouve quand ce sera enfin bon. Devinez quoi? C'est toujours pas possible, il me saoule avec leur dialogue de merde. Ça venait de la plage, waouh, c'est trop bien dis donc, c'est vraiment super. Bon vous savez quoi, on va faire le chemin jusqu'au bloc de sauvegarde. Voilà, il est là. Là c'est bon, cette fois-ci je jure que c'est bon. On se retrouve après. Ok, 15 millième réglage, du coup j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc évidemment ce sera la bonne, n'est-ce pas? On a beaucoup de chance. Du coup, cette fois-ci, on va enfin pouvoir repartir sur la plage pour voir ce qui s'y passe. Donc le petit tuyau là, j'irai un peu plus tard. Avant là, on va voir un peu ce qui se passe ici. J'espère qu'on aura enfin le martal, hein. Ah. Ah ouais, c'est vraiment bien fermé. Comment on fait pour l'ouvrir? Oh la gueule du bordel, ça c'est sûr que c'est un truc de méchant. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Et d'où sort cette capsule? Elle a dû s'échouer sur la plage. Faites-moi sortir! Oh, bordel, il y a quelqu'un à l'intérieur, faites-moi venir en aide, on a déjà essayé, mais impossible de l'ouvrir. Hey, Mario G, ça vous dirait de nous donner un coup de main? Écoute, elle n'a pas trop le choix. Hi! Aide ce pauvre naufragé, Mario! Je peux pas expliquer. Ouais, voilà. Voilà, Luigi, on t'a pas demandé d'y mettre un coup de tête, putain, il est con. Oh, par mes rillettes, qu'est-ce que je viens de dire? Il est con, ce con. Ah, je sais pas comment on peut l'ouvrir. Hein. Ça n'a pas l'air de marcher. Il nous faut peut-être un bon... Ah bah, un bon outil. Est-ce que ce ne serait pas le marteau, par hasard? Pensez pouvoir l'ouvrir avec... Ah bah voilà, putain, il était temps. Donc là, faut qu'on retourne à l'île, du coup. Quelqu'un a besoin d'un marteau? Ah bah, on n'a même pas besoin de la retrouver. Bien le bonjour, j'étais venu faire un tour par ici, maintenant que c'est possible. Let's go, bonjour. Et du coup, tu vas enfin me donner mon putain de marteau, que j'attendais depuis si longtemps. Ma parole, c'est sympa ici. Dommage que mes enfants ne soient pas là pour en profiter. Mais je les ai pas revenus depuis... Oui, bon, ça, on avait déjà vu l'autre coup. Oui, c'est vrai, tu nous avais donné l'équipement, tu avais dit que c'était Marmot qui le fabrique, il me semble, comment il s'appelle? Bon, ça c'était la fameuse blague, j'ai fait ça. Oh, vous allez les retrouver pour moi, sans blague. À part aussi, il y a un truc que j'ai peut-être oublié, effectivement, c'est ça. Voilà, oui, parce que j'ai pas caché, oui, bah... Eh, forcément, un qu'on doit redémarrer 40 fois, c'est compliqué, hein. C'est bien gentil, ça, alors écoutez-moi. Bon, du coup, encore une fois, session flashback. La dernière fois que j'ai vu, j'ai fait si, hein, à Foljan, qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est quand même qu'on fonctionne des gants inégalables. C'est une meuf, elle. On fait ça parti. Voilà, pousse Pyrilia. La spécialiste a toujours eu le don pour créer des accessoires très utiles. Ça roule. Les deux seraient tout à fait capables de vous fabriquer un marteau sans problème. Si vous les croisez, dites-leur qu'il me manque et de se dépêcher de rentrer. Donc on pourrait trouver de l'aide à Fall Jungle, soit à Spirilia. Mais comment va-t-on trouver cette île? Bon, peut-être qu'elle va apparaître d'un coup. Et oh, par ici! Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est un portule. Bon, en gros, c'est une carte, quoi. T'aurais pu juste appuyer sur une carte, hein, ça aurait été plus vite, mais bon. Moi pour ouvrir le portule, ok. Donc si je fais moins. Est-ce que l'organisme ouais, bah, pas très bien. Machin, bidule, du coup, faut juste se déplacer. Oh, ça va, j'ai eu peur, putain. On est le courant, donc là, faut cliquer là. Voilà. Est-ce qu'il fallait faire le tactile, ça aurait été trop chiant. Parce que oui, du coup, il y a bel et bien un tactile sur la Switch, hein, mais bon. C'est un peu spécial. Ouais, non, passant, ok, ok. Pas beaucoup de dialogue, bon, voilà, vous avez compris, hein. Pas trop ma tasse de thé, parce que ouais, là, machin. Ça te trouve, voilà. Donc en gros, faut aller sur l'île pour retrouver les deux gosses de la vieille pour avoir un petit martal. Let's go. Tu vois, machin, quand tu c'est comme ça, je suis plutôt pratique. Mais n'est-ce pas, parce que après, bon, c'est un petit peu la facilité du scénario, mais on l'en veut pas. Alors, du coup, on peut être des renseignements sur un jeu ici. Et j'ai fait ça, ces gamins sont ma plus grande fierté. Eh, toi, imagine, ils sont dedans. En vrai. Non? Ce serait pas genre une bague de ouf? Ouais, c'est bidule, ok. C'est vrai, ce serait pas con, hein. Du coup, bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, là, je serais bien pour. Enfin, je serais bien pour ça veut rien dire. Je serais bien partant pour arrêter l'épisode, mais je sais pas. Est-ce qu'il veut me dire un truc? Laisse-moi sortir, je vais nous là-dedans. Bah, en même temps, frérot, ça doit pas être super grave d'être là-dedans. Bon, du coup, on arrive bientôt au. Enfin, on est bientôt arrivé au bon endroit. J'arrive pas à parler, c'est fou, hein. C'est bien évidemment l'excitation du let's play. Je suis très content du let's play, donc évidemment. Non, mais non, c'est faux, c'est juste que je sais pas parler comme une brêle, putain. 19 ans, il sait toujours pas parler, le con. Il t'arrive entendu, let's go! Let's go! Est-ce que je peux choisir un courant? Non? Bon, peut-être qu'on peut les viser avec le canon de mes deux là. Alors, évidemment, l'île bleue, enfin, avec le truc bleu, je m'y rendrai de mon côté un petit peu plus tard, mais en off, parce qu'évidemment, bah, je vais pas faire ça avec vous, hein, c'est vraiment juste des blocs à trouver et compagnie, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce qu'on va trouver une petite. Putain, mais on n'a pas le bon courant là, non? Je sais pas, attendez, est-ce qu'on peut viser une île avec ça là? Ah, c'est. Je pense qu'il faut que j'ai. Il y a 200 gavades. Voilà. Bon, évidemment, les deux îles qu'on a vues, je parie que c'est les deux fameuses îles en question. Il faut que je fasse ici où il fait ça. Hein. Bon, on s'en fout, on choisit un des deux. Hein.
Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Laquelle des deux est la meilleure? Oh, j'aime bien celle-là. Ah non, mais attends, c'est pas la... Bah, c'est pas celle où on est allé. Non, c'est pas celle où on est allé, mais non. Je veux dire, je croyais que j'étais con. On va sur celle-là parce qu'ils sont en train de se barrer, là. Et voilà. Terre en vue sur le jungle. Super. Allez, on y va. Oh, bordel. Ok. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là. Hein, parce que malheureusement, c'est un peu compliqué avec l'émulateur. Puis même de mon côté, j'ai un truc à faire. Donc malheureusement, je dois arrêter d'ici. Mais ne vous en faites pas. Le prochain sera un petit peu plus long. Je pense qu'il durera 30-35 minutes. Histoire de rattraper un peu le temps perdu. De toute façon, on s'en fout. Hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, vous avez un épisode par jour. Donc je pense que ça va. Hein. C'est pas comme un animé. Les animés, une fois par semaine, c'est vraiment la pire idée d'Europe, hein, je vous le dis. J'aime bien cette atmosphère un peu plus... J'arrive pas à parler, c'est fou d'être con comme ça. Hein. J'aime bien cette petite atmosphère champêtre avec de la pluie, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, moi, je pense, hein, parce que, bah malheureusement, il n'y a pas trop... Comment dire, il n'y a pas trop le choix, hein, parce que je dois bientôt arrêter. Qu'est-ce qu'il va devenir, celui-là? Ah, vous avez d'où? Propulsé par un canon, c'est le truc le plus fou que j'ai entendu aujourd'hui, mon pote. Je peux te dire que moi, j'étais surpris également. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Pour cet épisode, donc j'espère que ça vous aura plu, même si on a eu quelques soucis, même si je sais toujours pas parler après 19 années d'existence, ça c'est toujours un classique, hein, mais ne vous en faites pas. Prochain épisode, ça devrait aller parce que je suis vraiment à la course, là, vraiment, je dois me dépêcher et tout, parce que malheureusement, une fois par jour, c'est la règle d'or. Oh, il y a un bloc invisible, attendez, je l'avais pas vu. Parfait. Du coup, je vais me stopper ici, j'espère que cet épisode vous a plu quand même, hein. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, pouce bleu, commentaire et abonnement, c'est un plaisir et ça pour référencement. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du nouvel overlay, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du let's play en général. Évitez de me juger personnellement, hein. Jugez surtout le let's play, voilà, si vous aimez le jeu, voilà, par exemple, si vous aimez le jeu, perso, j'aime bien, je trouve sympa. Parfois, il est un petit peu trop, voilà, un petit peu trop cheap, un petit peu trop cartoon, mais franchement, ça va. Pour moi, le jeu, on n'est pas non plus sur un God of War. Et du coup, bah, moi, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous demain à 14h pour Pianeur 4 sur ce porte-bien, c'était Let's Play, allez.